Qu'est-ce qu'il y a, Stéphane, Rose? J'étais en train de faire mes devoirs là et j'ai entendu un bruit sous mon lit. Ah, n'importe quoi, qu'est-ce mais que tu racontes? Mais je te promets que c'est vrai. Attends, j'arrive. J'ai entendu un bruit qui venait de... En fait, je sais pas trop. Parce que là, j'ai démarré une vidéo pour montrer aux abonnés là. Bon, salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui. On a décidé de faire aujourd'hui plusieurs vidéos pour vous montrer avec Lily Rose ce qui se passe en ce moment chez nous. Parce qu'il s'est passé quelque chose de très très grave il y a 2 jours. Alors Lily Rose, on va vous raconter un petit peu. Elle a perdu son sac avec lequel elle va à l'école, donc elle l'a perdu dans la rue. Dans ce sac, il y avait les clés de notre maison. Et mon téléphone et plein de trucs comme ça. Ouais, enfin, il y avait surtout les clés de la maison, quoi. Et le problème, c'est qu'il y a quelqu'un qui a trouvé la clé de notre maison et qui s'amuse à venir chez nous. Et depuis, on entend plein de bruit. Ouais, cette nuit, c'est ça que je voulais vous raconter. Cette nuit, j'étais en train de dormir. Et là, j'ai entendu comme des pas dans le couloir. Je me suis réveillée, j'ai couru et là, j'ai vu quelqu'un partir en courant. Et là, du coup, je viens d'entendre un bruit. T'es sûr que tu me mens pas? Ouais, non. Parce que là, j'ai pas démarré une vidéo. On y va ou pas? Vas-y, bah, il faut montrer aux abonnés, hein. Moi j'avais dit, il faut qu'on filme tout ce qui se passe aujourd'hui pour montrer. Attends, mais c'est quoi ça? Alors, bon d'accord. Non mais j'entends une voix. C'est qui ça? J'entends une voix. Oui, ça je peux. Non mais c'est horrible ça. C'est quoi ça? Mais attends, mais... Ça... Attends, mais les tiroirs de mon lit, ils sont... Mais pourquoi t'as enlevé les tiroirs? Je les ai pas retirés. Bah, non, mais tu t'en es pas rendu compte? Non. Quand t'as fait tes devoirs? Non. D'ailleurs, ils sont où les devoirs là? Bah je les ai rangés. Non mais t'es en train de me mentir. Bah j'étais en train de les relire en anglais. T'es en train de jouer au téléphone, je suis sûr. Non. Mais non, sinon j'aurais remarqué. Non mais attends, mais y a quelqu'un en dessous du lit, c'est sûr. Regarde, c'est vraiment rigolo. On voit ça, j'en veux pas ça. Ah, il y a une voix bizarre. Ouais. Attends, vas-y, attends, on soulève le truc ou pas? C'est bizarre, okay. Vas-y, soulève. 1, 2, 3. Ah, mais il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un sous le lit, il y a quelqu'un sous le lit. Oh là là. Oh là là. C'est quoi ça? Il y a un mec sous le lit. René! Mais c'est quoi? Ah, mais vas-y, bonjour! C'est quoi ça? Oh, et il y a deux. Il y a 2 semaines, les amis, il y avait déjà quelqu'un sous le lit de Lily Rose. C'était une espèce de vieux. C'était un monstre avec une tête de vieux et des griffes. Et une main avec des griffes. Non, mais franchement, tu bricoles quoi sur ton lit? Mais rien! Des trucs comme ça là. Je sais pas. Kios me déranger! Mais il a changé de voix, ça tombe, c'est pas le même, il y a plusieurs personnes. Qui ose me déranger? Vous êtes qui là? Ben c'est vous êtes qui? Vous êtes chez nous là? Mais... Moi je suis rentré dans le tunnel et j'atterris ici. Mais quel tunnel? Mais attendez, c'est vous qu'on entend depuis des jours. C'est vous qui avez trouvé la clé de notre maison et qui rentrez sans autorisation comme ça. Tu parles de quelle clé? Il n'y a pas de clé, c'est un tunnel. Il y a un tunnel sous ton lit? Bah oui. Bah oui. Ah oui, c'est vrai, le tunnel. Mais attends, mais ça veut dire que tout le monde peut rentrer avec le tunnel? Là, je suis tellement étonné, je fais des bruits bizarres. Qu'est-ce qui vous arrive? En fait, le problème, c'est que sous le lit de Lily Rose, effectivement, il y a un tunnel. Ouais. Et ce tunnel, il peut emmener à plusieurs endroits de notre maison. Oh là là, non, mais sortez pas, on va appeler la... Non, laissez-moi sortir. Bah, qu'est-ce qui vous arrive? Bah, c'est vous, qu'est-ce qui vous arrive? Allez, Non, c'est pas un chat, hein. Commence pas à lui tapoter l'épaule. C'est compliqué de sortir chez vous là. Oui, bah. Moi j'aimais mieux chez moi parce que. Retournez chez vous. Tiens, maman. Non, parce que le tunnel il fait quand même 200 mètres. Allez, je vais t'aider. 200 mètres? C'est un long tunnel. Je vais t'aider. J'ai pas besoin d'aide moi. Allez. Et c'est quoi votre nom déjà? Et vous, c'est quoi votre nom? Non, mais il est électrifié! Bah oui! Il électrifie! Moi je sens rien! Il m'électrifie! Mais vous! Il m'électrifie! Vous vous appelez quoi? Il m'électrifie! C'est vous, c'est qui? Ah bah vous, la bourgeoise! Comment tu t'appelles déjà? D'abord! Et quand j'ai touché, il m'a fait électrique! Mais pas moi? Il m'a fait bzzz! Vous appelez comment? On va se calmer là! Tu commences pas! Malabule! Mon nom c'est Malabule! Malabule? Ouais! Oula! Malabule le malabère! C'est plutôt le maboule! Alors! Bon, expliquez! C'est Malabule le maboule! Expliquez-moi! Alors, regardez! C'est à vous de nous expliquer! Qu'est-ce que vous faites là? Nous, on est chez nous depuis 2000. 2000? Ça 1900! Ça fait 2000! Pas 2000 ans, ça fait depuis 2000! On habite ici! D'accord! De 2000 jusqu'à maintenant! Ça fait 22 ans que ça fait 20 ans passés qu'on est là.
D'accord. C'est pas toi qui va nous expliquer les règles dites de la maison. Bah écoute, moi je vais t'expliquer. T'es pas chez. Je vais... t'es juste mais vous avez rien à m'expliquer. Stop là. T'es bah, pas tu... chez. T'es vous pas m'avez chez... dérangé en plein devoir. T'es pas chez Mamie Gâteau. Hein? Y a ouais. pas des pépitos dans le tiroir ici. Elle est où Mamie Gâteau? Bah elle est pas là justement. Vous voulez comment je... que je vous explique comment je suis arrivé ici? Oui. Allez, rapidement parce que tu vas rapidement sortir aussi. Bon, j'étais dans une forêt, je me baladais dans la forêt qui est pas très loin d'ici. Est-ce que vous la connaissez? Oui, oui, ouais, on la connaît très bien. Et il y avait une entrée. Ouais. Oui. Une sorte d'entrée avec plein de branches. Attends, avec l'entrée, il y avait un plat et un dessert. Donc c'était le menu complet. Mais il est bête. C'est ton frère. Alors j'ai compris. Ouais, c'est ton frère. Ouais, allez, il est un peu. Ah ouais, l'entrée. Toi, t'es un peu foufou, hein. Dans la forêt, t'es tombé dans un trou, t'as atterri ici, quoi. Bah en gros oui c'est ça, j'ai suivi le tunnel. Je ne crois pas, c'est lui qui a notre clé de maison. Mais non j'ai pas de clé. Donnez-moi notre clé monsieur Malabule. Dehors là. Tu veux m'accompagner toi aussi? Non allez viens, vous allez dans le tunnel. Vous allez vite retourner. Non non mais je connais pas la route. Attends, venez dehors. Bah vous prenez la on va te brancher un chargeur sur toi parce c'est marrant ça. C'est quoi? C'est quoi un buzzer? Tu fais de la. Et j'ai une petite question à vous poser. Une énigme. Non, j'ai une petite question. Ouais, non, allez, on n'a pas le temps là. Non. Bon, allez, bon, les amis, il faut qu'on trouve un moyen pour le faire partir d'ici. Je peux vous exaucer un vœu. Tu vas rien exaucer du tout, tu vas exaucer. Moi, c'est. Moi, je vais. Hé, tu vas rien exaucer, moi, je vais exaucer le ton. Je vais hausser le ton. Je vais t'exaucer. Je vais exaucer un sort. L'exaution là. Moi je vais rentrer chez moi. Et sur l'exaution du grand-père de l'exauceur, tu vas partir d'ici. Je suis vraiment atterri dans une maison de fous. Hein. Elle, c'est même plus qu'elle rigole là. C'est... Oh là, moi je vais rentrer par là parce que. C'est la rigole. On est au Marrakech du rire. C'est le Marrakech du rire ici. Non, c'est n'importe quoi. C'est la rigolade. Allez, vite. Tu retournes dans la forêt. Ouais, je retourne chez moi. Ouais. Tu retournes avec tes arbres là. Tu vas planter des feuilles. Ça va dommage pour vous parce que moi, je connais quelqu'un qui pourrait vous exaucer des vœux. Ok. Et oui, c'est sûr. Bah oui. Lui il a cru qu'il allait avoir un génie qui allait venir pour exaucer les vœux. Est-ce que vous connaissez la sorcière? Le génie. Allez, retourne dans suis le trou. Je suis un génie. Ouais, t'es un génie. Un génie ingénieux. Allez. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est surtout un ingénieur en bêtises. Comment vous vous appelez? Allez, on s'appelle Frédéric Patron. N'importe quoi. Frédéric Palin. Allez, c'est parti. Bon, les amis, je pense qu'il est en train de rentrer chez lui, le zarbe là. Et le zarbe. On se dit à la prochaine. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à vous abonner, à nous dire si vous avez trouvé cette vidéo drôle. Et surtout, cliquez sur une autre vidéo qui apparaît. Allez voir une autre vidéo sur la chaîne. Parce qu'ici, allez. C'est la rigolade. Hasta luego à des asticots. Il y a des chauves-souris.